Bah, quand je dois présenter l'onopompe dans une cave, je pose d'abord des questions. Savoir de quelle manière ils travaillent, quelle est leur technique de vinification, font-ils des blancs, des rouges, font-ils de l'entonnage, font-ils de la filtration ou est-ce que c'est fait à façon par des prestataires. L'essentiel, c'est que je sache comment est-ce que le vigneron travaille et quelle est la qualité qu'il souhaite obtenir. Mais tout de même, le vin, avant, pendant ou après l'élevage, il est à 99% du temps pompé par une pompe. Et il faut bien comprendre qu'une pompe à vin est une pièce maîtresse dans une cave. Alors le point extraordinaire que nous avons sur l'onopompe, c'est justement la forme hélicoïdale des rotors. Grâce à cela, l'onopompe vous garantit un flux absolument continu. Quelle que soit l'application, que l'on fasse du transfert, du remontage, de l'entonnage, de la filtration, de la mise en bouteille, c'est comme si vous preniez votre liquide d'un point A à un point B sans l'avoir brusqué. C'est surtout c'est un pompe qui respecte le vin. Elle a un niveau de réglage très sensible. Donc pour toutes les choses comme le décuvage, pour le remontage, le soutirage, on peut régler très très précisément la vitesse, le débit. Et ça c'est très important aussi. La première fois qu'on a utilisé l'onopompe avec le télécommande, on a trouvé que c'était peut-être une chose de luxe. Mais en fait, c'est carrément indispensable. Parce qu'on n'est pas obligé à rester à côté de la pompe pour l'allumer, pour l'éteindre. Et ça, c'est très, 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 très bien fait. Encore, on a remarqué tout de suite, même avec les tuyaux toujours branchés, on peut le déplacer très, très facilement. Quotidiennement, peut-être le vidange, c'est la chose qu'on a remarqué. Ça, c'est top. Franchement, c'est top parce qu'on ne perd rien. Très souvent, on perd peut-être juste un petit quantité dans l'autre pompe. Mais avec l'onopompe, tout de suite, on a remarqué qu'on perd quasiment rien du tout. Elle est très, très facile à vidanger. L'onopompe a été développée selon quatre modèles afin de répondre aussi aux besoins de tous les vignerons, qu'ils soient cave particulière, négociant, cave coopérative, que l'on soit sur des petits débits pour faire des opérations fines d'entonnage, jusqu'à des très gros débits pour faire de gros transferts. Et c'est pour ça que le développement et la création de l'onopompe a été un petit peu long, mais nous voulions aboutir à quelque chose. On voulait toucher le parfait. Et le parfait, il est dans l'onopompe. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 4, 5, 6 pompes différentes dans la cave, l'onopompe répondra à tous vos besoins.